grands avantages d'être un adulte? Moi, ça serait la liberté de faire ce que tu veux, d'être libre de tes choix, puis de ne pas avoir de personne, puis de parents qui te disent « P.O. fais pas ça, P.O. fais pas ça ». Quel est le plus grand désavantage d'être un adulte? Payer ses factures à chaque mois, parce qu'on n'a pas le choix. Quand tu étais petit, que voulais-tu faire comme métier? C'est drôle, là, mais moi, mon rêve, c'était d'être magicien. Je voulais être le plus grand magicien au monde. Dans 30 ans, où irais-tu vivre? Je pense que j'irais vivre sur le bord de la mer. J'envie les personnes qui vivent sur le bord de la mer, puis je trouve qu'ils sont toutes moins stressés que tout le reste du monde. Quelle est ta résolution beauté de l'année? J'ai la même depuis 10 ans, c'est d'essayer d'arrêter de me ronger les ongles. J'ai comme cette habitude-là. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez Marina? J'aime beaucoup sa joie de vivre, sa spontanéité. Prépares-tu l'été ou l'hiver? L'été, clairement. L'hiver, pas capable, j'ai froid tout le temps. Est-ce que tu exfolies ta peau avant le rasage? Oui, quand j'ai besoin de me raser avec la pioche, mais c'est très rare. Moi, je suis un gars de clipper. Tu sais, la petite barbe de 3 jours de même, là, c'est moi, ça. Quel est ton produit CW Beggs & Sons préféré? C'est vraiment l'hydratant énergisant que je me mets à chaque matin depuis que je connais CW Beggs. Le mot qui te décrit le mieux? Je pense que ça serait persévérant. Le poids sur le torse, c'est in ou c'est out? Moi, je suis un gars quand même poilu sur le chest. Alors, c'est in, mais contrôlé. Tu sais, comme... question de dosage. Quel est le produit CW Beggs & Sons que tu apporteras en voyage? Ça serait celui-là, le nettoyant hydratant, parce que je pense que c'est la base de tout. As-tu déjà cherché ton nom sur Google? Oui, c'est toujours un peu bizarre, hein? Qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Je vous dis pas ce qu'il y a, mais allez voir. Quel serait le nom de ton autobiographie? Hey boy! P.O. Baudouin, si seulement tu savais. Qu'est-ce qui te turn off le plus chez les gens? C'est les gens hypocrites, les gens malhonnêtes, puis les gens jaloux. Et qu'est-ce qui te turn on le plus chez les gens? Moi, j'aime les gens qui me font rire. Donc, si t'as le sens de l'humour, c'est sûr que tu gagnes des points. Quel est ton talent caché? J'imite Mario Pelcha, quand même popé. Qui peut voir des pleurs? Non, j'allais pas partir. Attends une minute, là, je vais recommencer. Quelle application utilises-tu le plus? Moi, je suis un grand fan d'Instagram. Je suis un like-eux. Quel animal te représente le mieux? Je dis toujours un chien, mais j'ai aucune idée pourquoi je dis un chien. Bière ou sangria? L'été, je suis vraiment bière. Une bonne bière blanche avec une petite orange dans un verre, là, ça, c'est winner. Quel accessoire n'est plus du tout à la mode? Les colliers en coquillage blanc, là. Quel super-héros voudrais-tu être? Je pense que ça serait Superman. Quel est le produit CW Beggs & Sons que tout le monde devrait découvrir? Le sérum platine que tu te mets avant chaque crème hydratante, c'est le soin le plus puissant que tu peux pas te mettre au visage. As-tu déjà acheté un produit de beauté pour femme? Ben là, qui a jamais acheté ça? Ben oui, un petit cache-cerne. Combien de produits de beauté utilises-tu chaque jour? Shampoing, présent, nettoyant pour la face, exfoliant, nettoyant pour le corps, la crème, sérum, parfum, déo. Ok, une bonne dizaine. Douche ou bain? Douche, clairement. Quel type d'hydratant utilises-tu? Généralement, ça va être l'hydratant énergisant. Si j'ai des tournages, ça va être l'hydratant anti-brillance. Et le soir, parce que j'ai 30 ans et je commence à avoir des rides, c'est l'hydratant anti-âge. Quels sont tes indispensables CW Beggs & Sons? La base de tout, le nettoyant. On ne pourra jamais se laver le visage assez. Comment gardes-tu la forme? J'essaie d'aller au gym le plus possible, 3-4 fois par semaine à peu près. Qu'est-ce qui est le plus excitant quand on a 30 ans? Je pense que c'est, pour moi, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui me passionne dans la vie, puis c'est de savoir ce que je veux faire. Puis, tu sais, il y a plusieurs personnes, même à 30 ans, qui ne savent pas trop, qui cherchent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Moi, je le sais ce que je veux faire. Puis, je travaille à tous les jours pour devenir meilleur. Puis, ça me motive à aller toujours plus loin. Donc, je pense que c'est ça qui est excitant, de savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie.